Salut YouTube! Putain, je démarre la vidéo sur le beat. À croire que c'était prévu. Alors que pas du tout. On découvre Spider-Man Miles Morales sur PS5. Aujourd'hui. Parce que c'est l'hiver et qu'il y a une petite ambiance de Noël hivernale dans le jeu et ça fait plaisir. Et aussi parce que le premier Spider-Man était pas mal du tout. Et du coup, on nous propose au début du jeu de voir un petit résumé des épisodes précédents. Donc faisons-le. Voulez-vous activer les sous-titres? Oui, mais il va nous mettre le jeu en français. J'avais une vie à peu près normale. Je vivais dans le quartier le plus cool du monde. Brooklyn. Représente. J'avais deux parents super. Et j'étais fan de science et de super-héros. Mais tout a changé. Quand mon père est mort dans l'attentat de l'hôtel de ville. Ça a été un choc énorme. Mais Peter Parker et sa tante May étaient là pour moi. Et Spider-Man aussi. Qui n'était autre que Peter. C'est fou, hein. Ensuite, pendant la crise du souffle du diable, ça a été super tendu. Tous les ennemis de Spidey se sont ligués contre lui. J'ai quand même réussi à lui donner un coup de main. Et après tout ça, vous allez pas le croire, une araignée m'a mordu. Et j'ai commencé à changer. Je voulais pas que ma mère s'inquiète, alors j'en ai parlé à Pete. Et maintenant, on est officiellement Spider-Pot. C'est lui qui m'entraîne, et je dirais que je commence à maîtriser plutôt bien le maniement de la toile. Je cherche encore le bon équilibre entre cette responsabilité et tout le reste. L'école, les amis, ma nouvelle maison. J'ai emménagé à Harlem il y a quelques semaines. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Trop bien, Miles. Attention, je cache le titre tout de suite. Ok. Première chose à faire. On peut baisser la difficulté en jeu. Dans ce cas-là, on démarre en spectaculaire. Je crois que c'est comme ça qu'on était dans l'autre. Incroyable, c'est l'équivalent du mode normal. On se met en spectaculaire. Ah, vous voyez pas, mais attendez. Voilà. Hein. On va ruiner le jeu. On va faire comme l'autre, on va perdre en boucle. C'est parti. Alors. Précédemment dans, on l'a vu. Inversion verticale, non. Mode d'écoute, home cinéma, mais il est taré, lui. Mode d'écoute télé. Casque. Je pense que le casque, c'est ce qui sera mieux. Audio mono, non. Mode graphique, alors. 30 images par seconde avec des fonctionnalités graphiques comme le ray tracing, les effets de lumière améliorés, les effets visuels supplémentaires. Techniques temporelles fournissent une image de qualité très élevée à partir d'une résolution 4K. Ce paramètre est activé par défaut. Non. Performance. Ce titre est en mode 60 images par seconde. Sans les fonctionnalités graphiques telles que le ray tracing, les effets de lumière améliorés et sans effets visuels supplémentaires. Techniques temporelles permettent d'obtenir une image 4K à partir d'une résolution plus basse. Performance RT. C'est une version alternative du mode performance en 60 images par seconde qui utilise le ray tracing en ajustant la résolution des scènes, la qualité des reflets et la densité des piétons. Ça peut être pas mal ça parce que du coup on aura tous les effets visuels avec une résolution qui s'adapte. Ça peut être cool hein. Devez redémarrer afin d'appliquer ce changement. Oui. Au départ. Oh, faut juste redémarrer comme ça, ok. Les VO anglais, utilisez les voix anglaises au lieu de celles de la langue du système, oui. Comment ça me dégoûtait, ce jeu. C'est-à-dire que si on redémarre toutes les 3 secondes, on s'en sort pas. Ok. On a vu le français hein, pendant 2 minutes sur le résumé, ça suffit. Sous-titres. Il y a des sous-titres. On va les mettre un peu plus gros, on va les mettre comme ça, là. Pour vous. Vous qui regardez cette vidéo sur téléphone portable. Couleur derrière plein des sous-titres. Il y a pas mal de trucs d'accessibilité quand même. Hein. C'est mieux là. Là on voit mieux. Là. Ok. Non mais sinon c'est bien là. On a qu'à dire let's go. Faire du métro. C'est déjà la cinématique.
DMCA. DMCA. C'est cool que Sony arrête pas de striker ses propres jeux, je trouve. Merci à toi, Sony. Gracias, Chico, yeah. C'est bon. That is so cool. I got you. Hey, thanks. No problem. Hey, you think you're gonna add that new Spider-Man too? The kid? Yeah, maybe. Original's just my guy, you know? Yeah, I know. Hey, is Tails Bodega around here? Yeah, bright yellow sign down the block. Can't miss it. Thanks. Beautiful work, by the way. Maybe leave a little room for the new guy, just in case. Le convoi. Une fille aux cheveux roses. Oh là, va falloir... Déjà. Ok. Ok, faut que je joue là, je pense. Attendez. Rebonjour. Et je pense que si je fous la cam, genre par là, c'est ok. Voilà, bonsoir. Hey Pete, headed your way. Did I miss the convoy? Not yet. We're still securing a couple inmates. Man, it feels good seeing the guys who escaped last year going back to the raft. Real good. The raft's an eyesore. It's secure. As long as the octopus-related flaws have been fixed. Let's hope. Okay, closing in on you. Be there soon. Should let mom know I'll be late. Miles, ¿qué tal? Did you get the shopping list? Hey, mom. Yeah, but the bodega was out of coconut milk. Gonna check a store downtown. Oh, thank you. But avoid Midtown. That prison convoy is making traffic a nightmare. Oh, yeah. The call. Yeah. See you at dinner, mom. Man, how does Pete do this secret identity thing? Completely stresses me out. La musique est toujours cool, hein. Faut noter ça. Pareil que dans le premier. Mais dans le Spider-Man normal. Oh yeah. Bon, je me souviens des commandes. La cinématique. Évidemment. Au revoir. Just down in some rocket fuel. How are you drinking? Very, very carefully. Okay, go time. Helix 2 en route with heavy payload. Copy, Helix 2, we've got you on scope. This is a big operation. It's gotta be. Hundreds of felons escaped from the raft last year. Now it's time to move them back in. Police aren't taking any chances. Especially not with our guest of honor. Getting a lot of interference here. One of those guys who helped Doc Ock is in there? Think so. Could be Vulture, could be Scorpion. Ils sont tous dans le même container. Someone bigger. Okay, we got a problem. Abusé. Hold back, Miles. Let me take... I got this, Pete. Don't worry. Oh, no! It's secure. You're drifting Helix 2. Énorme. Deux policiers sont morts là, en fait. Aucune victime. Bien sûr. Les mecs ont la tête écrasée dans leur voiture, mais tranquille. It's okay. We
got this. Just need to contain it before... Before that happens. Hello, tiny spiders. D'accord. Ça pue? Let's go! Une frappe de toile. Ok. C'est bon, je connais le jeu. Trop fort. Ça, je fais zéro dégâts par contre, c'est abusé. Aïe. C'est toujours aussi cher. Les combats sont... Je sais pas s'ils sont pareils que celui d'avant. J'ai un doute pour le moment. C'est le retour du Rhino. Abusé. Toujours plus de prisonniers. Avec des armes énormes. Dépenser de la concentration pour vous soigner pour en tenir. Effectuer des actions de combat ou esquiver. Ah d'accord, on peut se soigner, énorme. On pouvait pas avant. Ça rend le jeu facile du coup. On rend pas compte. Est-ce que ça rend vraiment le jeu facile? Ouais, énorme. Pas du tout parce que je suis dégueulasse. Il y a pas le ralenti quand je tabasse. Une capacité à débloquer, certainement. Ok. Ah si. Il est plus tendu en fait. Ok. Bien. D'accord. Bon, vite quand même. Bon, pas si vite. Aïe. Vers quoi? Faut aller où? Au secours. Éviter les panneaux publicitaires, ok. Énorme. Timing nul. Ok, vraiment timing nul. Y'a un arbre de Noël.
ages, I was locked behind 30 feet of steel! I intend to enjoy this one! He's a menace! Okay. Too soft. He's a low-energy menace! Too easy. Maybe he's a weak-minded! Oh! Hey, Jonah! Looking good! Very festive! Menace! A feckless, treacherous, unhinged menace! Ok. Salut. Ah. Ah. Au secours. Au secours. Quand tu veux. Ok, énorme. Ah, je l'ai eu. J'ai bien évité là. Ok. We gotta bring him down fast. Yeah, yeah, what do we do? Let us raise temperature. Oh, bad, bad, very bad. Are you okay? No. Oh, no, no, no! I'm okay. I've got him. Headed your way. Be ready. Okay. Yeah. Might, need a minute. Le retour du tabassage de gens. Ouais. Et enfin. Mais ils sont encore là. Comment ça, on rend les choses pires? Vous étiez où, vous, Yassin, tout à l'heure? Hein? C'est bien beau de dire que je fais de la merde, mais... Faites un effort. Mais... D'accord. Si vous réalisez un combo x15, vous pourrez exécuter un coup de grâce. Un combo x15. Ouais, d'accord. Énorme ça, en tout cas. C'est super sympa de m'avoir laissé le coup pendant la cinématique, je trouve. Pas encore mort, même pendant la cinématique, c'est assez fou. Pas pendant l'intro. Ce qui est assez dingue, hein. Passionné quand même. Pas des animaux. Putain, mais j'aime bien. What the fuck? Aïe, ça fait mal. Ok. Ok, ok, on y est. Ils sont trop longs à buter. Ok. Cher le pauvre Peter. Pour nous, non?
le coup de puits. Oh fuck. L1 carré. Ok. Ça fait quoi? Les points bioélectriques peuvent paralyser les ennemis à l'impact. Les ennemis paralysés subiront des dégâts supplémentaires à des attaques basiques. Hello Alios, bon matin à toi aussi. Très bon matin. Ok, ils peuvent paralyser les ennemis. Les ennemis paralysés subiront des dégâts supplémentaires. Ok. Les points électriques coûtent de la puissance bioélectrique. D'accord. Finalement, de la puissance bioélectrique en attaquant des ennemis. On leur esquive, on leur assaut. Ok. Aïe. Ok, on peut faire ça donc. Ok. Énorme. Ok. Ça marche ça. Énorme. Je suis trop fort au jeu. Pourquoi des cinématiques de partout? Aïe, je me fais écraser. C'est bon, je me fais éclater, c'est énorme. Ah. Ok. Prends-moi ce qu'il veut au dernier moment pour que ce soit worse. Ok. Tu veux faire quoi là? Ok, tu le balances contre un truc électrique et c'est énorme. Ok. Je serais pas trop fort au jeu. C'est pas ça mon problème. Ok. Ok. Bon, il est mort là, non? Qui c'est ce mec? Guys? Krieger? Just... wow. Simon Krieger, head of R&D at Roxxon Energy. Salut Simon. Pleasure to meet you. You too. Sorry. I think our ball landed in your yard. No. Actually did us a favor. We just bought the place. We're planning to tear it down for a build. But looks like you beat us to it. I wanted to thank you. Both of you. Taking down Rhino? Allez. Solo? C'est le méchant de l'histoire. 100%. Thanks. But he's still dangerous. Nah, we'll hold him for the police. You know, I always think these super troopers are overkill until something like this happens. Oh, duty calls. Hey, really great to meet you both. Future's looking bright. Hello. Il arrive, il a déjà son armée privée et tout. Il pue le méchant. Bioélectricité. C'est ta fiche. La bioélectricité. Hey, look. I got nothing on the OG. Think we should run tests tomorrow? A little voltage analysis? Oh, man. Yeah, sorry. I've been meaning to tell you, I'm not gonna be around for the next few weeks. Is this some kind of pee joke I don't get?
No. MJ's headed overseas for the Bugle and requested me as her photographer. Kind of a working vacation for us. Oh, man. Look, I don't know if I'm ready to fly solo. I screwed up today big time with the helicopter. But then you delivered big time. You saved my bacon, Miles. I got lucky. Hey, I did this gig for 8 years without backup, and you better believe I screwed up lots of times. But that is how you learn. What's this? Christmas present. But first, you gotta take the oath. Oh. Okay. I promise to do everything in my power to protect this city. I promise. That's it? That oath a real thing. Totally. Definitely didn't just make it up. See you in a few weeks, Spider-Man. New York's only Spider-Man. I'm New York's only Spider-Man. I'm New York's only Spider-Man. Please don't screw this up. The city late at night hit a pinnacle. Shining on a marvelous below. But those on the game didn't know the true form. Pure evil's invisible, so I can't. Je reconnais qu'on vu Into the Spider-Verse. DMCA. Désolé. Casse tout avec l'arbre de compétences. Je peux remonter un peu la cam en fait. Ok. Vous êtes passé au niveau supérieur. Vous avez gagné un point de compétence. Enfin, c'est vrai, des points de compétence. Parce que vous gagnez suffisamment de points d'XP. Allez, des missions et des ennemis pour gagner de l'XP et des points de compétence. Sélectionnez une compétence et maintenez X pour la débloquer. Ça, je connais. Putain, la musique est cool par contre. On va se faire DMC à fond, mais c'est énorme. Salut Megafox! Merci à... J'aimerais bien être Spider-Man en vrai. De toute façon, j'ai pas le choix en fait. J'en ai qu'un que je peux débloquer. Ok. Electro-marteau. L1, carré et X. C'est-à-dire... Relance le truc là, de gauche. L1 plus carré plus X, ok. Mission, accroche-toi à tes lance-toiles. Ok. Ok. Yo Genki, dude, Rhino, what? Yeah, where you at? You get into the apartment okay? Yeah, your mom let me in. Unpack slash dump my stuff all over your floor. Now I'm in the park. Oops. Grab some air. Oh, perfect. Dip over to the amphitheater. Got something to show you. Dude, is this spider related? Please tell me you got a piece of Rhino's horn or something. Pieces I've seen of the fight are straight up nuts. Definitely spider related. And definitely better than a horn. Oh, loving the suspense. I'm there. Maybe yeah, we can go up. Feeling just don't stop in that. And we're by next to some strong. Est-ce que quelqu'un connaît cette zik? Que je l'ajoute à mon Spotify, genre tout de suite. On se va peut-être se faire DMCA, mais on aura une pure playlist, hein. Ok. Oui, oui, il m'attend à l'amphithéâtre, mais attends. J'essaie de me refaire au... J'essaie de me refaire aux commandes. Ok. Là. Je crois que si je fais ça... Non, faut faire X. Oh, c'est nul. Ok. Bon, désolé, je vais couper l'autotune, hein. I will never get used to you doing that. Hey, look, check it. Christmas present from Spider-Man. Open it. Dude, put it on. I'll cover you. Le costume noir? Le costume de Miles? What?
Never seen a guy change clothes in Central Park? Okay. How's it looking? Ah non. Whoa. Miles Morales, congratulations and welcome to your very first super suit. T'as débloqué une nouvelle tenue. Ok. Vous pouvez équiper votre tenue depuis le menu de tenue. Sur la page des tenues. Ça fait beaucoup de tenues. On dirait un pyjama. Elle est un peu dégueulasse cette tenue, non? N'hésitez pas lorsque vous aurez débloqué d'autres tenues. Head uptown for part two of this amazing gift. Ok. Énorme tenue. Ok, on peut rien faire d'autre. What's the other half? I'll let you know when I find it. Et points de compétence à utiliser. Ok. Qu'est-ce que c'est les points de compétence à utiliser? C'est comme ça. Points de compétence. Attendez, technique. Il y a beaucoup de trucs. Oui, bon, ça c'est les commandes. Pourquoi il me dit technique? Ah oui, parce que va tout y avoir les trucs d'électricité qui vont changer du jeu de base. On a aussi la possibilité de se soigner. Ça devrait rendre le jeu plus facile, je pense. Ok, Miles. Gun Kelly. Ok, je connais pas. Je suis au-dessus des persos, mais vous les voyez à droite, c'est pas grave. C'est qui ça? Rio Morales, ok, c'est sa mère. Spider-Man. Donc ils ont changé sa gueule depuis version PS4. On l'avait déjà vu dans les DLC PS5. Roxanne, ok. Simon Krieger qui a une bonne tête de vainqueur, ça on est sûr à 100%, ça doit être le méchant du jeu. Pourquoi ils sourient tous de manière bizarre? Des jalons. Ok. Flux social. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Il y avait ça déjà dans le jeu de base, non? C'est son espèce de Twitter. Ok. Mission. Peau neuve. Ok, on a toute la liste des missions. Ah, énorme. Ok, les comps. Point de compétence, j'en ai 3 à passer. Ok. On commence à s'y faire. Du coup, je fasse quoi? Mais j'ai le droit d'aller dans cet arbre aussi. Attaquer et esquiver génère plus rapidement de la puissance électrique. Ok. Une paralysée qui sont jetées sur d'autres ennemis pour les gens paralysés. Une attaque bioélectrique. Ramenant l'ennemi vers vous. 50% de dégâts de plus qu'on des attaques basiques. Coup de grâce génère 50-40% de barre d'électricité. Permet de stocker un deuxième coup de grâce. À 10, ok, ça fait baisser. Maintenez pour saisir. Stocker un troisième coup de grâce, ok. Donc là, on a ça. Paralyse des ennemis proches, les désarme et les projette en l'air. Agrandit la zone d'effet du point électrique. Double la durée de paralysie des ennemis. Agrandit la zone d'effet de marteau. Continuer de progresser dans l'histoire, ok. Attaque murale, paralyse des ennemis. Et de progresser dans l'histoire. Ok, ça dans l'histoire aussi. Il faut qu'on fasse ça. Pourquoi je peux pas? Faut être niveau 5. Faut être niveau 3. Ah! Pourquoi le jeu, tu me dis alors? Ta-ta-ta-ta. Ok. Le puits gravitationnel. Ah, c'est les gadgets. On en a que 4 dans celui-là. Qui est assez en vrai. Et donc, on peut acheter des amélios. Avec des jetons. D'activité. Ok. On a plusieurs tenues déjà. La tenue track. Oh, il y a la tenue du film, déjà. On va être RP, on va garder la tenue. On peut équiper des trucs, mode de lentille. Résistance aux dégâts à longue portée. Pour plonger dans le Spider-Verse. Visualiser les effets sonores des combats qui apparaissent. Ok, on va mettre ça. Et un mode de tenue, on en a qu'un. This mode pour plonger dans le Spider-Verse. Ok, non. Résistance aux dégâts de mêlée. Ok, on l'a pas. T'as la marque du casque après les lives dans les cheveux? Non, pas du tout. J'ai pas du tout de marque du casque. Parce que j'ai plus beaucoup de cheveux là. Mais là j'ai un gros volume de cheveux, ça va. Non, j'ai pas de marque du tout. En plus, ils sont assez souples là les trucs. Donc j'ai pas de marque sur les oreilles non plus. Franchement, ça va. Ce casque est plutôt, plutôt recommandable. Pour un casque USB. Ok.
guy's a masochist. La marque de mon gel, c'est Viveldop. Peut-être que je devrais me gélifier les cheveux. Le problème, c'est que je suis pas allé chez le coiffeur depuis. Enfin, je les avais très courts là, avant le deuxième confinement là. Je suis pas allé au coiffeur depuis. Et du coup, je sais pas jusqu'à où ils peuvent pousser encore. J'avais les cheveux très longs quand j'étais jeune. Donc, est-ce que je les laisse pousser à mort? La question c'est ça, c'est est-ce que je vais chez le coiffeur à un moment ou est-ce que je les laisse pousser jusqu'à ce qu'on soit tous, voilà, on voit plus mon visage avec mes cheveux quoi. Salut Zurich, la spider saucisse. On est sur du spider parkour pour le moment. Bon, on va peut-être faire la mission hein. Oh non, ça va être encore un truc secondaire. On commence le défi. Miles, get ready for your first holographic training challenge. These challenges are spread throughout the city. Each one focuses on a new move or technique. This one focuses on... Totalement sur PS5 à Zurich. Totalement. Un holo entraînement. La preuve par l'image. Alios qui déprime. Non, il a pas aimé mon discours sur les cheveux. De toute façon, je pense... Je sais pas si je peux encore avoir les cheveux longs, en vrai. Je pense que je serai chauve avant d'avoir les cheveux longs. Voilà, je sais pas. Il aime pas parler de cheveux, Alios. Ça le déprime. Non, t'as un tel qu'une... T'es ennemi sans tes conditions. Carré pour une projection aérienne. Attends. Le mec des armes de mêlée peuvent parer. Maintenez carré. Ah, j'avais oublié ça. De façon répétée. Ok. Le swing king que je me mets là. Puis sur X pour sauter. Puis latéraux sont utiles pour rejeter les ennemis en l'air et les isoler de leur groupe. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Mais enfin. Pourquoi il veut pas? Faut juste faire ça en fait. Faut se croire. Voilà. Ok, c'est ça qu'il veut que je fasse. Énorme. Désarmer un ennemi. Maintenez. Ouais. Non mais d'accord, faut le knock avec sa propre arme. Bah va la chercher. Voilà. Quel deux mouvements. Ah putain. J'oublie à chaque fois qu'il faut marcher sur cette toile de mort. Carré. Pour réaliser une projection aérienne. Pardon pour ses ennemis. Okay. Dans l'air, pas de terre vers vous. Projeté au sol. Mais enfin. Attendez. Ok. Mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, il est con ou quoi? Ma gueule. Bon, il y a un moment où il va falloir les buter quoi. L carré UX. Ok. En fait, faut juste tous les buter. On s'en fout de comment. C'est énorme.
Regarde. Ça fait que les paralysés, c'est pas si fort que ça en fait. Pas du tout si fort. Je suis bloqué dans un coin, non? Je suis un pro des glitches dans les coins, j'adore ça. Pourquoi ils veulent pas? Ok, ils me dégoûtent. C'est bon, c'est fini? Énorme! Oh non, des vrais criminels. Les boules. Ok, je suis bloqué dans un coin, c'est énorme. La vie est incroyable. Pourquoi il est mort? Mais enfin! Pourquoi vous êtes plein? Oh, qu'est-ce que c'est relou. Personne veut mourir là. Ça met 8 ans sur les ennemis de base, comme notre Spider-Man, il est nul à chier. Ok, c'est bon. Énorme. Kernel en détresse. Looks like P made stealth, swinging and combat challenges. Gotta check these out when I get a chance. J'ai pas envie de faire ça. Ça me rappelle le jeu de base et toutes ces missions secondaires nulles. J'ai l'impression qu'il va falloir le faire quand même. Peau neuve. Vous avez des points de compétences à utiliser. Mais tais-toi. Non, c'est pas Peter Parker dans celui-là, c'est Miles Morales du coup. C'est le Spider-Man d'après. C'est plus ou moins la suite du jeu de base du coup, où on laisse un peu la place à Miles Morales. Plutôt cool du coup, le perso est cool. Avec ses petits pouvoirs électriques là du coup. Pourquoi je peux pas faire ça? Je veux faire le truc de combat moi. Ouais, je pense d'ailleurs qu'ils ont le Danny Cast. Du coup, c'est plus Jonah Jameson qui fait les podcasts. C'est énorme. D'ailleurs, si vous avez pas vu, je vous conseille Spider-Man Into the Spider-Verse, là, le film d'animation qui est sorti il y a 2 ans, je pense. Maintenant. À peu près. Du coup, c'est cool. Le film est vraiment, vraiment très cool. Bon, on change pas l'histoire, hein. Peter Parker, il existe toujours. Hein. Juste que du coup, c'est le... Peter Parker, c'est un peu notre mentor, là, dans celui-là. C'est le mentor de Miles Morales, d'ailleurs, même dans l'histoire de base, je crois. Juste qu'il y a un deuxième Spider-Man. Pourquoi je peux pas faire la mission secondaire, par contre? Mais parce qu'il y a... Il y a des gars, là. Ne laissez aucun véhicule être volé. Ils ont envie de voler ce véhicule là.
quel enfer. Il est vieux, Tobey Maguire. Il est un peu vieux, hein. Ça fait quand même 10 ans que c'est plus lui Spider-Man dans les films. Ça fait 20 ans que c'est plus lui dans les films. Autant pour moi, on est en 2021. C'est quand même 2001 le... Quoi ? Mais enfin ! La merde. Au secours. C'est bon ? Réaliser une attaque bioélectrique sur 5 ennemis. Ne laissez aucun objectif. Ok, j'ai pas du tout les objectifs bonus, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Est-ce que je peux faire cette foutue truc? T'aimes pas du tout Tobey Maguire? C'est ça? Est-ce que je peux faire ça? Ok, c'est là. Il faut que je me réhabitue aux icônes et tout, parce que Spider-Man PS4 ça fait quand même un petit moment, mais si on a fait les DLC il y a un mois. Ok, je peux faire ça là. Je réalise un combo de 50 coups. Pas utiliser ses mains. Deux ennemis avec un objet pendant la rotation. Ok. Pas trop comment ça marche. Moi j'aime bien Spider-Man de Tobey Maguire. Laissez-moi tranquille. Attendez, faut faire. Non mais, laissez-moi tranquille par contre. Non, vraiment, laissez-moi tranquille. Je vais toucher trois fois. On préfère ici, c'est Loïc Maguire. 45 ans, désormais. Il a 45 ans, Tobey Maguire. Tu trouvais pas que c'est Spider-Man... Enfin, si. Enfin, de toute façon, oui, c'est Spider-Man sur les meilleurs films. Je pense qu'il n'y a pas de... Je pense qu'on fera pas mieux. Mais je veux pas faire ça du début. En vrai, si. Mais... Ok. C'est de la merde, non ? J'ai envie de crever à chaque fois que je vois ce truc, oui. Ok. 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 C'est de la grosse chiasse ce défi, hein. Ah, d'accord. Bon, on va se calmer, on va se dire que spectaculaire, ça suffit. Hein ? Débloquer quoi ? Défi ? 1.0 terminé. Appuyez sur triangle après une esquive parfaite contre un ennemi. Pour éliminer instantanément. Ok, c'est pété ça. Ah, je peux débloquer ça ! Énorme ! Je peux rien débloquer le reste par contre. Ça aussi, ça coûte 1. Paralyser les ennemis proches, les désarmes et les prochettes.
Ok. On va faire ça, ça coûte que dalle. Et voilà, énorme. Ça paraît pas mal. Oh, on va continuer là-dessus. Vous avez des tenues ou des modes. Termine des activités ou empêcher les crimes pour. Tiens, jetons d'activité. C'est pour créer des tenues et des modes dans le menu pause. Ouais. Ok. 3 ressources. Des ressources que vous avez récoltées pour créer un mode en le sélectionnant en maintenant sur X. C'est la merde. 3 sur 8. Ok. Ok, je l'ai créé là. Je peux l'équiper. Ah, j'ai compris. Un scan des ennemis marqués à travers les murs, il reste. Ok, 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 ok. Ok. Bon bah YouTube, c'est pas mal pour ce début de Spider-Man. On se retrouve dans la suite. Des bisous.